Donc, comme vous venez de voir tout à l'heure, j'ai enlevé le reste de tissu qu'il y avait sur la rambarde. Il fallait tout enlever réellement. Donc les fils de fer et le reste de tissu. Maintenant, eh bien, je vais tout simplement aller à Leroy Merlin parce que j'ai vu sur internet des brise-vues chez eux. Je vais aller là-bas et je vous emmène avec moi. Alors j'ai trouvé mon bonheur. Donc c'est à 99% d'occultation. Donc on voit juste un petit peu une ombre mais on ne voit pas clairement ce qu'il y a derrière. Donc ça c'est le but recherché pour moi. Et c'est 1m20 de haut, ce qui me permettra de faire le tour du dessus du balcon pour l'attacher. Et 5m, moi il me faut 4m30, donc bah voilà, il y aura un petit peu de reste, je verrai comment je ferai. Hello, on est le lendemain. Matin, non, il doit s'approcher des midi maintenant. Je suis opérationnelle pour couvrir le balcon. Et bah voilà, c'est parti. Alors là, je vais arrêter parce que ça me saoule. Mais j'ai bien avancé. En fait, il y a le plus compliqué qui reste à faire, c'est-à-dire le coin. Et après, bon, bah, le petit reste, voilà. En fait, ça aurait été beaucoup plus simple à deux parce que quelqu'un aurait pu tenir et tendre le tissu pendant que l'autre fait les attaches. Or, toute seule, c'est un petit peu galère. Mais même si c'est pas tout tendu parfaitement, tout ça, je trouve que je me suis quand même bien débrouillée. Et voilà le résultat final. Donc tout est posé. C'est tendu. Il y a juste une sorte de plaque, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Et donc en haut, là c'était dur comme du béton. C'est toujours dur comme du béton, on va voir le reste. Bon là c'est bien fondu. Oh, ça fait tout bouger en fait, c'est un truc de dingue. Oh, oh la blague. Regardez-moi ça. Ah, le truc de fou. Oups. Donc maintenant, je vais finir de nettoyer hors caméra. Je vais juste vider l'eau, voilà, sûrement avec l'éponge, en pressant à chaque fois, en prenant et pressant dans l'évier. Je vais faire un petit nettoyage rapide du frigo, voilà, tout simplement. Et après, je vais
le rallumer et tout remettre dedans. Donc voilà mon assiette pour ce soir. Donc j'ai du riz semi-complet. Et donc là, il y a ma petite poêlée avec des oignons qu'on peut apercevoir ici. Brocoli et tofu qui est déjà fumé. J'ai rajouté donc du tamari et en fin de cuisson un peu d'huile de sésame. Et voilà, je trouve que ça va super bien ensemble. Au final, j'ai pas rajouté de genre d'ail en poudre ou truc comme ça. J'ai laissé comme ça. Mais je pense que ça va être très bon. Là, pour faire le tour, on a pris un petit chemin qui était comme sur un plateau dans une sorte de plaine, comme vous avez vu juste avant. Et là, je sais pas si ça se voit bien, mais on a l'espèce d'escalier de roche que je vous ai montré quand on est arrivé d'en face. Et heureusement, ça a l'air assez simple à descendre, mais quand on arrive, ça fait vraiment pentu, quoi. Mais voilà, je vais vous lâcher, je vais vous ranger pour descendre. Je suis un petit peu fofolle parce que je suis en train de regarder la rediffusion du Tour de France quand il est passé dans ma région, notamment parce qu'il y a ma famille qui... il y avait mes grands-parents et mon père qui étaient dans un village que je vais pas vous dire, mais le Tour de France passait dedans. Ensuite, ma grand-mère est allée avec son fils et sa compagne dans un autre village un peu plus loin sur le parcours, et ensuite moi je l'ai vu passer dans Poitiers à un virage, enfin bon voilà. Et donc là je regarde la rediffusion, c'est la galère du montage, et en fait j'ai tout simplement pas vraiment de fin à cette partie de vidéo, donc je vais vous dire oui, je les ai vus, j'ai pris des captures d'écran etc, j'ai filmé les 3 secondes où ils étaient visibles. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Je pouvais pas être avec eux pour vivre ça, du coup voilà, de les voir très pixelisés certes, mais de les voir quand même sur le bord de la route, c'était sympa. Alors ce soir je me suis fait une petite salade verte, voilà, avec un tout petit peu de vinaigrette, et avec mon repas flemme préféré petite patate au four, et avec le ketchup bio avec une compo plutôt saine. Donc voilà, ça va être mon repas. Je voulais juste vous dire que là je suis en train de regarder le MG4 de Fabien Olicard, et il explique à un moment comment on peut obtenir certains résultats selon comment les études sont faites. Et en fait c'est très marrant, par exemple il y a un graphique sur 20 ans que les fumeuses meuraient plus que les non fumeuses, et en fait après il explique les chiffres tranche d'âge par tranche d'âge, et après il expliquait aussi que dans les plus de 75 ans, qui étaient les personnes qui de base mouraient plus, et dans cette tranche d'âge là il y avait, imaginons, 200 fumeuses qui ont été suivies et 15 non fumeuses qui ont été suivies. Et vous vous rendez bien compte qu'avec ce genre de chiffres, on peut manipuler l'info et nous faire un résultat qui à la fin dit bah, sur les 20 ans il y a eu plus de non-fumeuses qui sont décédées que de fumeuses. Mais c'est juste la façon dont l'étude est faite. Et c'est comme, je sais plus trop où j'avais vu ça, mais si vous faites une étude à la sortie d'un supermarché et que vous demandez aux gens où est-ce que vous achetez votre pain,
Eh ben, 80% vont vous dire j'achète mon pain dans le supermarché. Et vous faites la même expérience devant une boulangerie. Eh ben, 80% des gens vont vous dire j'achète mon pain à la boulangerie. Et c'est juste. On peut vraiment manipuler l'info selon comment on fait les études et pour orienter vers le résultat qu'on a envie d'obtenir. Je trouve ça super intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça peut un peu vous titiller et vous intéresser. Alors là, en fait, je me suis déplacée dans ce magasin parce que j'avais vu une fois qu'il y avait des cadres et là, j'aurais besoin d'un cadre pour encadrer un tableau que j'ai acheté pour offrir à une amie d'ici une dizaine de jours à son anniversaire. Donc voilà, je vais voir ce qu'ils ont. Je suis de retour, je voulais filmer à l'intérieur et en fait j'ai complètement zappé. C'est un 40x50, voilà. Donc c'est relativement grand, un petit peu lourd. Et en fait c'est du bois et voilà, il y a des petits traits un petit peu, c'est joli. Voilà le poster en question et donc je pense que ça sera joli dans son cadre noir. Le cadeau, je suis vraiment très contente, c'est vraiment ce que j'avais en tête quand je suis allée acheter mon cadre. Je voyais vraiment un bord noir comme ça, à peu près de cette taille là, donc c'est génial. Et voilà, je trouve que ça rend bien. Alors, à la fin du vlog 25, je vous parlais du sport, que j'allais reprendre la danse et tout, et qu'après je savais pas trop si je faisais sport en salle avec mon ami ou Zumba, etc. J'étais en train de me questionner parce que c'est payant le sport en salle, voilà. Et j'ai trouvé la solution, c'est qu'en fait, que ce soit la Zumba ou le renforcement musculaire, au final, les deux, je fais les deux avec mon ami. Parce qu'elle aussi, en fait, elle aime bien la Zumba. Et on fait les deux dans une même salle, ce qui fait qu'on n'a pas à payer deux trucs différents. On paye juste un abonnement mensuel. Et voilà, et du coup, après, on va à ces deux cours-là dans la semaine. On peut même aller à d'autres cours si de temps en temps on a envie de faire plus de sport. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Et à côté, j'ai la danse. Donc voilà, j'ai deux cours de danse, cabaret et street jazz, mais c'est le même jour. Voilà, et donc les deux autres cours c'est sur deux jours différents, donc ce qui fait qu'au total j'ai trois jours où je fais du sport dans la semaine. Voilà, c'était le point rentrée sportive. Et puis là il y a une amie qui va venir pour qu'on avance sur nos sites internet respectifs. En fait ça nous motive de se voir et de le faire ensemble. Elle ne va pas tarder, donc je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Ce soir pour le dîner j'ai un reste en fait de pâtes à la sauce tomate et à l'ail avec des petits légumes grillés aux herbes de Provence. Et là je me suis fait de la salade verte à côté que j'ai donc j'ai mis un petit peu de vinaigrette, je teste l'huile de lin que j'ai acheté parce qu'il y a plus d'oméga 3. Voilà mon assiette de ce soir avec du cru, des légumes, un peu de pâtes et puis voilà. Je suis au salon Respire la vie à Poitiers, je suis bénévole ce matin, vendredi matin sur le stand de L114 et je vais vous montrer, là il n'y a personne encore parce qu'on est à 3 minutes de l'ouverture et en plus on est vendredi et donc vendredi de toute façon il y a moins de monde que le week-end, donc je vous montre ça, je suis en face de la grande place pour manger. C'est pour ça que j'ai baissé. Break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced.